vrai qu'on peut plus souffler. Au milieu de la caméra, tu peux me laisser la place. Non, mais sinon, au pire, on peut faire ça. Eh, mais pourquoi la lumière, elle est pas plus vers moi déjà? Mais tu déjà, es la lumière à toi-même, ma Josie. Maintenant, c'est bien, on peut s'appeler Josie. Pourquoi ça s'appelait pas? Parce qu'il savait qu'on s'appelait Josie. Bonjour à vous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour celles qui ont débarqué il y a pas très longtemps et qui n'ont pas connu mon frère, il y a mon frère. Ça fait très 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 longtemps. Oh, j'en peux plus, je suis écrasée. Ça fait depuis quand quoi? Quand on est à la Marseille. Marseille, on a fait un vlog. Les vlogs Marseille. Ah oui, bien sûr. Mais les haul action. Bah depuis bien longtemps. Depuis très très longtemps, ma gueule. Bah avant le confinement. Avant le confinement. Mais bizarre. Avant le confinement. Bref, on a été à action. On en a eu pour 106 euros. Et on commence cette vidéo tout de suite. Ça m'a trop manqué. Alors, je vais vous montrer les trucs. Mon frère va vous montrer les trucs. Je commence, parce que j'en ai beaucoup moins. Et voilà, mon frère va encore me défoncer, me dire « Ah, est-ce que t'achètes ?» Il se fout à poil, le mec. Non, mais c'est sûr. Alors, c'est parti. Pour la petite chouquette, j'ai pris des petits hippos comme ceci. Elle aime bien les petits hippos. Et franchement, je savais même pas qu'ils en faisaient chez Action. Donc, je me suis laissé tenter. Voilà. Bah ouais, je les ai pris, c'est très très bon. Par contre, il y en a que 5 à l'intérieur, donc c'est relou parce que quand t'as deux gamins, limite faut prendre deux paquets. Bah deux. Deux paquets, j'en ai pris. Mais j'en ai pris, tiens. Oh, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et mon frère m'a dit: ah, mais dis donc, pourquoi t'as acheté ça? Parce que à chaque fois, il critique mes achats. Oui. Un petit peu. C'est pas de la slow cosmétique. C'est pas cela. Ah, parce qu'on prenne un petit peu. Là, je suis à fond slow cosmétique. Do your slow strength. On vous prépare un truc, t'es pas prêt. T'es pas prêt. J'ai pris des masques hydrogel pour les yeux. Donc, grosso modo, tu laisses agir 15 à 20 minutes. Donc, tu as celui un peu gris. En mode un peu chelou, j'ai envie de te dire. Et l'autre, il est en mode Fame, I wanna live forever. Comme ceci. D'essayer. En mode rose. Est-ce que vraiment ça marche? Non, ça fonctionne pas. Il y a que les massages qui fonctionnent et le sommeil qui fonctionne. Hop là. À toi. Alors, donc oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que ça, ce sera pour les jeux concours. Parce que vu que j'ai fait un jeu concours il y a pas très très... T'arrêtes avec ton bruit ou je te défonce. Vu que j'ai fait un jeu concours il y a pas très longtemps, et ben faut que je renouvelle le stock. Donc vous verrez dans la vidéo qu'il y a plein de choses pour des futurs jeux concours. Donc moi j'ai acheté un mélange de fruits secs. Non, c'est pas du tout des fruits secs, c'est des arachides. Donc il y a des amandes. Noix du Brésil, il y a noix de cajou et noix classique. Salé et non salé. Ah ouais? Je vais marquer dessus. Ah non, salé, non salé et non grillé. Non salé et non grillé. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Autant pour moi. Donc voilà. Pour un prochain jeu concours, j'ai pris des petites boules de bain comme ça. Comme ça, je vous montre, c'est une petite nouveauté des familles. Je trouve que c'est plutôt joli. Par contre, elles sont plus petites que d'habitude. Comme ceci. Donc il y en a une, je sais pas. Ah, c'est marqué, ouais, c'est marqué Floral. T'en as plus? Non, c'est pour un jeu concours. C'est marqué Floral Garden Fruit. Bon, tu vois un peu l'idée quoi. Le fruit, il y a différentes. Oh, ça fait le focus sur ta tête. Différentes petites saveurs. Encore un petit mélange avec noix de cajou, noix, amandes et cranberry. Alright. J'ai acheté des pignons de pain. Pignons de pain? Les gens, ils vont s'en foutre de ma vie. Ils vont s'en foutre de ma vie, les gens. Qu'est-ce qu'il achète comme connerie? Enfin, comme truc. Des pignons de pain, j'ai l'impression, tu sais, il fait ses courses. C'est Action, mais pour moi aussi. Alors, moi, j'ai pris plein. Mais ils sont où? Mais t'as tout fait tomber. Ils sont là. À mon tour. Ça fait 3 fois que je suis dans la séquence. Ensuite, j'ai repris des petits trucs comme ceci. Il y en a plein. C'est pour un prochain jeu concours. Arrête de faire du bruit, tu vas pas recommencer à faire du bruit, sinon je te tape. Donc pour un prochain jeu concours, et en fait c'est des petits labellos. Donc vous avez Center, tiens, aide-moi. Watermelon c'est pastèque. Ah ouais, ouais. C'est vous bien. Vous avez orange. Ok. Ah oui, c'est bon, j'ai le droit de dire. Vous avez pêche passion. Et vous avez... Que tu veux. Et vous avez strawberry. C'est quoi strawberry? Strawberry. Strawberry. Alors, ce que je disais, c'est que dans les labellos, en fait, l'arnaque du ouf, c'est que là, tu vois, tu trouves c'est mignon. Ah, ça fait un peu choupa choups. Mais en fait, quand tu l'ouvres, c'est pourri. Ça fait juste ça. C'est plastoc quoi. Bah, c'est plastoc. Bon, vas-y-vous. Bah, et après, c'est comme ça. Tête de courir. Hein. C'est pas ouf. Bon, en fait, c'est
C'est pas ouf. J'aurais bien aimé que ce soit marqué Choupa Choups en gros et que ça te garde le petit logo Choupa Choups. Pas cali du tout. Non, t'as le petit logo Choupa Choups là. Ça aurait pu être une autre marque. Ça aurait été pareil. Mais c'est tout. Mais voilà. Oui, en fait, ça fait comme. Ça fait comme les autres bouboules. Tu sais, comme les cadeaux qu'on avait dans les Kinder. Ouais, voilà. C'est l'arnaque. C'est sorti. Attends, mon frère. Bon, allez, encore à moi. J'ai repris un petit panier. J'ai pris un trop petit. Trop tard. Donc, en fait, comme d'habitude, elle a acheté ça. Je ne cautionne pas. Les armes, enfin, comme ça. Ah, pas mal. Des petits princes. Des petits princes pour les enfants. J'ai pris une panière comme ceci. Encore une énième panière comme ça. Mais la petite Chouquette, elle a un nouveau meuble. Et vous savez, pour ceux qui ne savent pas, que j'adore de ouf cette panière de fou malade. Donc j'ai pris pour la petite Chouquette, pour mettre des trucs à l'intérieur. Voilà, une panière. Tu t'es posé, j'ai pris une panière. Un masque. Alors c'est pas moi qui achète ça. Hein. Depuis deux articles, c'est pas moi. T'es prêt? Au moins tu le sais parce que. Donc là, c'est un petit masque en forme de croco. Crocodile. Tout ça pour un petit jeu concours aussi. Ah, c'est sympa. Mmh, c'est par contre, c'est trop mignon. Non, c'est choupi. Tiens, mets-le là. Organisation. J'ai pris ça pour mon frère en fait parce que, il vous l'a dit tout à l'heure, il essaye de faire. Je t'ai étouffé. Il essaye de faire de la cosmétique lui-même et tout. Et t'en as eu pour combien? À 55 euros. 70 euros. Ah oui. Comment ça s'appelle? Aromazone. Aromazone, bref. Et en fait, il avait besoin de lingettes démaquillantes et tout, donc je lui en donnais. Et celle-là, elle est super bien. Mmh. Donc j'ai pris ça pour mon frère. Et... Enfin, pas... Oui. Oui. Et en fait, ça, si vous connaissez pas, moi, je les utilise en fait principalement pour enlever mon masque. Et c'est nickel chrome. C'est un truc comme ça, tu mets tes petites mimines dedans, tu vois, et ensuite tu peux te démaquiller. Au cas où t'as. Et au cas où ça... t'as pas tes moufles. Non, ça marche pas pour ça. T'es comme ça, bah oui, ça va. Non, franchement, ça c'est trop trop bien. Moi je kiffe. Et tu fais comme ça? Ouais, tu fais ça. Mmh. Moi je kiffe. J'adore. Donc voilà, j'ai pris ça pour mon frère. À toi! Allez, ma Josie, allez, allez, allez. Mais ça c'est. Mais y'a pas écrit. Mais c'est pas des Smarties, y'a pas écrit Smarties. C'est des. Lentilki. Non mais c'est des Smarties. C'est des Smarties mais en fait c'est pas des Smarties français. Parce qu'il y a pas de Nestlé là. Nestlé ici. Ah donc d'accord, du coup c'est des Smarties mais en fait ça doit être Ah d'accord. Lentilki. C'est des Smarties mais peut-être qu'ils ont changé de nom. Je sais pas. Ouais. Bref, la petite Chouquette elle voulait des petits Smarties comme ceci. Donc du coup je lui ai pris parce que je lui ai pris parce qu'elle en avait envie. Tout simplement, on va pas chercher midi à 14h. J'ai pris ensuite encore ça pour un jeu concours. Donc ça ce sont des espèces de... Bonjour. C'est des espèces de barres comme ceci que tu mets dans ton bain et ça Ah fait des... ça fait un peu bar à choco. Ouais ça fait, bah oui c'est... Ils ont piqué ça, je sais plus à qui. Je sais que Nani m'avait offert, tu sais les palettes, je sais plus c'est quoi. Mais voilà, grosso modo c'est juste pour mettre dans ton bain. Et ça pareil, ce sera pour un petit jeu concours. Concours des familles. À toi, à moi, à qui? Mais en fait tu m'as donné des trucs mais... Mais oui, je te dis, bah alors donne, vas-y. C'est nul. Bah vas-y. Ok. Il a pris un bloc d'essai et il a honte de son bloc. Mais non. Par contre, stop, break it down. Pourquoi tu prends ça en fait? Parce que ça c'est chiant, ça te démonte ta cuvette des chiottes en fait. Après, elle est plus bancale. Pourquoi tu prends pas du tout? Moi, ça bancale pas mes chiottes. Donc j'ai acheté un bloc WC, j'en ai acheté un comme ça. Et stop, j'ai envie de te dire. Attends, non, mon frère, ma Josie, faut qu'on parle. Parce que en vrai, ça, tu jettes à la, c'est du plastique, tu jettes à la poubelle. Moi, j'ai un petit truc que tu dans les chiottes que tu colle à ton truc et ça se dissout tout seul. Mais il n'y en avait pas action. Non, il n'avait pas action. Bah voilà. D'accord. Donc il a pris. Ça sent le sapin. J'avoue, ça sent un peu trop le sapin. Il en a pris les deux. Ouais, j'en ai pris deux. Deux. Bref. Bah ça sent super bon. Non, ça sent les chiottes quoi. Oui. Belle photo de miniature. non, mais oui. Bah celui-là, je les trouve. Sympa. Après effectivement c'est du plastique, ça sert à rien. Faudrait les faire soi-même en fait. On peut les faire soi-même. Vous avez une recette de bloc WC à faire soi-même? Franchement je suis preneur. Je sais pas. Bah. Parce qu'en fait ça sert à quoi en fait? Bah c'est juste que ça sent bon. Ça sent Parce qu'en bon. Fin de compte moi je nettoie toutes, non, mes, ça toutes sent les bon, semaines ça à la Javel. Ça mais... nettoie les toilettes à chaque ouais, chasse. Ouais, aide à éliminer la formation de tarte anti-saleté. Non mais si et tu prêt. Nettoies toutes les semaines tes oui, chiottes, y a pas de calcaire qui s'y dépose. Oui. Non mais c'est vrai. La prochaine fois je le prendrai pas.
J'ai pris des piles Duracell. Je sais même pas si elles sont moins chères ou pas que dans les grandes surfaces. Mais j'ai pris les piles, donc les piles. Donc j'en ai pris. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi elle dégueule l'autre? Ouais. Allez, enchaîne parce que là. Enchaîne, coup de chaîne. Des piles comme ceci. Et j'en ai pris 8 comme ça. Et en fait, je crois bien que c'est exactement le même prix qu'avant. Sauf qu'avant, il y en avait 10. Tu vois un peu l'arnaque. Alors, encore un petit masque. Pour un jeu concours. Pour un petit jeu concours à la forme. Non, mais il est marrant celui-là. Il est rigolo. Ouais. Il est marrant comme toujours. Pareil, pour un petit jeu concours des familles. C'est la chouquette qui a mis ça dans mon sac. Non. Montre. Mais c'est pour faire quoi? Ah, c'est pour dans la. Dans c'est pour dans la. Tu croyais quoi, toi? Ah non, mais rien du tout. Ouais, c'est ça. Non, mais tu crois tout. Non, mais crois montre. J'ai pris un canard comme ça. C'est la chouquette. Je lui ai montré le canard et ensuite elle l'a mis dans mon sac et elle est bancale. Je lui ai dit, vas-y, on lui prend. Donc c'est un canard en. En pole dance. En il habit est beau de lumière. En fait, il est un peu genre. Canard du nouvel an. J'aurais dû prendre à Aurore. Elle aurait kiffé. Elle aurait kiffé. Ensuite, j'ai trouvé un truc Mireille, mais t'es pas prêt. T'es pas prêt. Et je suis trop contente. Tu sais que. Elle a pété ma boîte. C'est pas grave. Tu sais que je kiffe de ouf. C'est pas si là que j'en ai tout le temps avec moi. Je les kiffe de ouf. Et là, j'ai trouvé Mireille. Les papa pastilles. Ah, j'avoue. Je suis trop contente. Donc, il y en a 100 à l'intérieur. Là, il y en a 50. Voilà, deux fois plus. Et voilà, deux fois plus de plaisir, deux fois plus de fraîcheur. Je trouve que les avoir trouvés, c'est plutôt cool. J'ai acheté des éponges pour la salle de bain. Elles sont toi ou celles-là? Pourquoi? Enfin, elles font le job. Les petites éponges Spargo. J'ai pris ceci aussi pour un petit jeu concours. Je sais même pas ce que c'est. C'est une crème pour le corps. Il y en avait une autre sorte en fait. Mais j'avais envie de prendre celle-là. Donc c'est... Le gars il se déprime. J'ai pris exotite, genre fruit du dragon, tu vois un peu l'idée. Et j'ai pris cocombre, c'est de la crème pour le corps, concombre, comme ceci. Vous savez ce que c'est ça? C'est un produit pour dégivrer. Oui. Ton pare-brise. Oui. Donc en fait, ce que tu vas faire. Quoi? Tu vas pas faire ça. Pourquoi? Bah, parce que ça, c'est pas du tout écologique. Donc ce que tu fais, c'est que tu mets de l'eau dans ta bouilloire. Non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire pourquoi ça. Alors, j'ai pris ce produit-là, qui est en effet un produit pas du tout écologique et un produit qui est fait. Quoique celui-là, je l'ai même pas testé, mais en fait, grosso modo, c'est pour dégivrer super rapidement ton pare-brise. Super, d'accord. Parce que donc du coup, en fait, le produit pas... après, il va où? Il va dehors par terre. Bah ouais. Parce qu'en fait, je pense pas forcément à mettre un carton. Et souvent, quand je mets un carton, c'est chelou, mais les gens me le volent. Je vois pas l'intérêt. Mettre un carton ou alors un carton ou un truc exprès pour mettre sur le pare-brise. Mais les deux seules fois où j'essaie de le faire, on me les a volés. Bref, quand j'anticipe pas et quand je me lève à 4h du matin et qu'à 5h, je vois que ma voiture est dégivrée, j'utilise. Givrée plutôt. Givrée, autant pour moi. J'utilise souvent ce genre de produit-là. Enfin, souvent. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser ce genre de produit-là. J'en avais déjà eu un, mais c'était absolument pas sûr. Donc je sais pas s'il est efficace. Et voilà, je sais que c'est pas bien d'utiliser ce genre de produit, mais quand t'es à la bourre, quand t'en peux plus, quand t'as froid, quand t'es fatigué, quand t'es du matin, ça peut être, voilà, ça peut être plus trop pratique. Par contre, ne faites absolument pas le coup de l'eau chaude sur le pare-brise, parce que là vous allez péter votre pare-brise. Ce que vous pouvez, et encore c'est non, ce que vous devez faire en fait, c'est gratter. À l'ancienne, tu grattes Mireille, mais surtout voilà, pas d'eau chaude sur le pare-brise, et ne mettez pas la ventilation à fond chaude pour dégivrer votre pare-brise super rapidement, parce que en fait vous allez esquinter votre pare-brise. Voilà, donc soit vous utilisez un produit comme ça, soit vous grattez, soit vous mettez la ventilation douce, mais pas à fond les ballons. Voilà. Voilà, c'était l'instant pare-brisage. Mais peut-être que tes internautes, ils ont d'autres astuces en fait pour nettoyer son pare-brise. Et bah laissez un commentaire. Pour dégivrer son pare-brise de manière écologique. Et bah laissez un commentaire si vous avez des astuces pour essayer le truc en mode écologique. Mais Mais je crois que j'avais vu un truc sur TikTok d'ailleurs pour ça. Je sais pas. Laissez un commentaire si vous avez une astuce à part le grattage. Parce que moi, je vois pas d'autres astuces. La suite, c'est encore un petit paquet de tic-tac. Et la suite, en fait, c'est le dernier. En fait, j'ai pris toute la gamme. On dirait des pots de pâte à modeler. Des pots de pâte à modeler. Et celui-là, c'est Malibu Beach Bed. Comme ceci. Ouais, elle me l'a piqué, quoi. Ensuite, je continue. J'ai pris des petites pinces comme ceci.
pour Malibu Beach Babe. Babe. Pour ma frange. Babe. Et là j'ai un gros chat. Babe c'est babe. Donc des petits babe c'est cochon. Non babe c'est oh ça va babe c'est. C'est baby. Ça va babe. Donc j'ai pris des petites pinces comme ceci pour les cheveux. Pour une petite poupette et j'en ai. Qui a balancé ça sans respect. Et j'ai pris d'autres pinces comme ceci pour les cheveux parce qu'elles sont très très bien. Pour la petite toupette. J'ai acheté des torchons 100% coton. Non mais parce qu'il y en avait plus à la maison. Bah si, il y en a plus, il y en a plus. Hein. Et ils sont très bien, franchement. Quand c'est 100% coton, de toute manière, c'est cool. J'ai repris 5 verres comme ceci. Mon frère, ils aiment pas trop les trous. Un peu grossier, et ben moi je les aime bien. Je vous en ai déjà parlé dans mes chouchous de chez Action, et on c'est vrai qu'ils sont une ricaine quoi. Une ricaine, ouais. On dirait presque, tu sais, tu pourrais presque faire des bougies dedans. Des bougies, mais carrément. Carrément. Bougies de Noël. Ah, mais juste pour Noël. Mais juste pour Noël. Stop. Stop breakaging. Donc j'ai repris ces verres-là qui sont super efficaces, qui sont bien résistants, qui n'ont pas trop tendance à blanchir au lave-vaisselle et franchement voilà ils valent le coup donc je vous les conseille à 2000% si vous aimez les verres en mode ricain tu vois un peu l'idée et par contre c'est une grosse contenance j'ai envie de te dire c'est fabriqué en Italie c'est 39 centilitres donc autant te dire 39 centilitres pour information c'est tu déverses plus d'une canette dedans un petit peu l'idée quoi. Alors moi j'ai acheté un moule à manquer parce que j'en avais plus. Et il est très bien, il a l'air très très sympa. Il est. Je l'ai acheté en. Quoi ? Pourri ? Je sais pas. Comment ça pourri ? Calme-toi. Donc voilà, un petit moule à manquer avec la petite ouverture pour enlever le fond et tout. En fait, pourquoi j'ai fait ça ? Je vais vous raconter parce que moi je fais de la cuisine et j'ai fait une tarte à thym. J'ai fait une tarte à thym et du coup, c'est plus facile de faire dans un moule à manquer que de le faire dans un moule classique. Voilà. Mais je sais pas si. Après, tu beurres de ouf de toute façon. Bah, dans tous les cas, tu beurres. Tu beurres de ouf. J'ai pris des petites pâtes à modeler, justement, comme ceci pour la petite Chouquette parce qu'elle avait des pâtes à modeler, mais pas de la marque Pledo. Et c'est vrai qu'elles ont tendance à sécher et tout. Donc là, je lui en ai pris ça. Non, c'est une vraie marque ça. Par contre, ce qui est relou en fait, c'est qu'ils ont fait des chelou. Bon, ok, c'est pour faire. Bah, parce qu'en fait, les couleurs. Moi, je voulais juste, genre, 5 pâtes à modeler avec les couleurs primaires, on va dire. Mais en fait, là. Bah, ça, c'est bleu, c'est rouge, ouais, mais c'est là, vert. Du coup, t'as encore du orange avec du jaune. Tu vois. C'est la même chose. Ah. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, pour information, voilà, j'ai du rose, du violet, j'ai du bleu, et j'ai du orange, et j'ai du jaune en plus. J'y crois de moins en moins ça. Bon bref. En vrai, elle a acheté ça, il y croit. Non mais en fait, à chaque fois que j'achète. Pris. On a à chaque fois que j'achète une casserole. Non, c'est une poêle en fait. Une poêle, ouais. C'est en fait c'est la deuxième poêle que j'achète. Mais bien sûr que non. Rappelez-vous de la cassolette. J'avais acheté une cassolette chez Action, deux cassolettes, une petite et une grande. Elles avaient l'air très sympas. Très sympa, mais anti-graisse, anti-machin, le truc à ce qui paraît ça collait pas et tout ça machin. Voilà, type A, je t'ai fait une béchamel dedans. Bah, avec le fouet, ça a tout rayé. Mais je suis pas allé. Utilise un fouet en silicone. Non, mais au bout d'un moment, si vous faites attention à tout, bah on fait pas la cuisine, les gars. Donc, j'ai acheté une poêle un peu haute. Parce que l'ancienne que j'avais achetée, elle était. Elle est un peu rayée et en plus le téfal il part. Voilà, j'ai pas envie de l'utiliser en plus. Et donc du coup, j'ai acheté celle-là. Elle brille un peu, on dirait des petites. Ça fait un peu paillettes, je trouve. Mais écoute, c'est un bon contenant. Je trouve que c'est un bon contenant. Et bah voilà. On verra. Mais après ils te disent, utilisez toujours un peu d'huile et de matière grasse. Ah non mais moi, oui bien sûr, ça c'est pas un problème. Mais c'est que après ça se. L'émail s'enlève. Ouais. Ouais. Déjà elle est chou là. Ah bon on va la ramener. On va la ramener. Ouais, parce qu'en fait. Montre-leur. Elle est sale en fait. Ouais, non, non. Oh je l'ai cassé en plus ça. Mais c'est pas grave, on la va ramener quand même. En fait, on va la ramener. Parce que elle est mal faite en quoi ce truc. C'est pourri. Eh, tu me prendras une téfale. Hein. Oui, je te prendrai une téfale. Je sais pas si vous voyez bien, mais là en fait. Ouais, tu vois, il y a le. Et c'est pas de la saleté en fait.
T'as le trait là, marron. Ouais. C'est quoi ce délire? Je sais pas, c'est chelou. Wow, c'est la donc, 4G. Donc du coup, ouais, je te la ramènerai. C'est la 5G. C'est la 5G, mon frère. J'ai pris ceci pour un jeu concours aussi. Je vous en avais parlé il y a super longtemps. Et en fait, je kiffe. C'est des pinceaux comme ceci en mode silicone. Et ça, franchement, c'est top. Enfin, c'est un truc complètement inutile. Mais une fois que tu l'utilises, bah, tu kiffes de ouf. C'est pour mettre le masque. Alors, cela, je vous avoue que je sais pas du tout à quoi il sert. Mais quand tu mets ton petit masque, je trouve ça beaucoup plus agréable d'utiliser un pinceau comme ça que de pas utiliser de pinceau. Voilà, c'est chelou, mais je kiffe. Donc je l'ai pris pour un petit jeu qu'on fait. C'est trop mignon. Et ensuite, j'ai pris une petite trousse comme ceci. Elle est trop mignonne. C'est plaide. Une petite trousse comme ça. Et une petite trousse mais plaide. Mais je la trouve, en fait, je sais pas, je la trouve mais trop choupie. C'est débile, hein, mais je la trouve... trop chou. Du coup j'en ai acheté deux. Du coup j'en ai acheté deux, une pour moi, une pour un jeu concours. Elles existaient aussi en rose rose, mais j'aimais pas. Mais celle-là, je sais pas, elle est trop mignonne. Je la trouve super quali. Là, comme la veste que tu m'as achetée. Bah ouais c'est ça. Là elle est rose et elle est comme ça. Et l'autre elle était vraiment rose, mais encore plus rose que ça, tu vois. Je la trouve vraiment trop chou. Oui c'est juste le. Elle est trop douce. C'est la douceur. Non mais en fait c'est juste le zip qui est. Oui. Mais l'autre, elle était rose, rose, okay. Rose, toute rose. Et bah voilà. Et voilà. Cette vidéo, elle est finie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Tu veux dire un truc, mon frère? Mon frère était... Il était pas... Il était pas au moins que vous savez. Mais ça va quand même. Mais ça va. Non, en fait, on voudrait savoir. On voudrait savoir. Non, on va faire un petit commentaire. Enfin, on va faire un petit sondage. On voulait savoir si ça vous intéresserait si on fait un tuto slow cosmétique, c'est-à-dire la slow cosmétique si vous savez pas, si dans certaines personnes ne savent pas, c'est la consommation de produits de beauté naturels. La plupart du temps c'est fait maison avec des produits 100% naturels. Donc si vous êtes intéressé par des tutos de la slow cosmétique, n'hésitez avec, pas avec, avec nous. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Donc laissez un commentaire. Parce que sinon, s'il n'y a pas. S'il y a beurre, c'est une grande direction. Franchement, on va faire des trucs qui sert à R. Qui sert à R, c'est ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder celle-là. Ah, je fais des trucs interactifs maintenant. Celle-là, c'était un autre haul avec mon frère. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là. Là, si mon contenu vous plaît, et moi je vous fais de gros bisous. Carrément, tu fais comme ça, madame. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.